Gloire à Dieu. Si vous êtes prêts pour l'étude biblique, je dis gloire à Dieu. Je vous accueille chaleureusement à l'étude biblique au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur récompense votre fidélité à servir le Seigneur en venant à chaque fois à l'étude biblique. Amen. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous vous aimons, nous vous accueillons, nous apprécions votre arrivée. Nous prions que vous continuiez de venir et que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre famille au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour les frères, les dirigeants, les ouvriers. Nous te bénissons pour la fidélité de tout le monde. Nous prions que cette nuit, tu nous bénisses au nom de Jésus-Christ. Nous prions que chacun de nous reçoive le Seigneur qui est venu nous bénir et qu'aucun d'entre nous ne fasse détourner le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et comme nous le recevons dans toute sa plénitude, que nous recevions sa bénédiction. Nous te remercions de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous étudions de l'Évangile selon Marc et nous avons parcouru les chapitres 1 à 11. Nous sommes maintenant au chapitre 12. Nous sommes à Marc 12, verset 1 jusqu'au verset 12. Suivez comme nous lisons ensemble. Jésus se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une raie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il le battit et le renvoyait à vide. Verset 4. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. En envoya un troisième qu'il tuèrent, puis plusieurs autres qu'il battit ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils, mais ces vignerons dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Est-il se saisir de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchèrent à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Écoutez bien ceci. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Le Seigneur tend vers la fin de son ministère terrestre. Il leur a prêché 3 ans et demi. Et c'était la dernière semaine qu'il passait avec eux. Parce que peu de semaines maintenant, il sera crucifié. Et ils disent, éliminons-le. Mais Jésus-Christ a continué de leur prêcher et cette
parabole est au sujet de la vigne, au sujet des vignerons, au sujet des serviteurs qui sont envoyés apporter les fruits. Et cela a fait parler de leur attitude, ce qu'ils ont fait à ces serviteurs. Et ils ont battu certains, ils ont tué d'autres. Mais maintenant, c'est dit que le vigneron, le propriétaire de la vigne a quelqu'un à envoyer son fils bien-aimé. Il l'a envoyé, le voyant, il disait, voici l'héritier, c'est lui qui va hériter de tout. Donc on ne l'aime pas, on le hait, nous allons le tuer, l'éliminer. Et puis ils l'ont tué. Et puis Jésus a dit dans la parabole, que croyez-vous que le propriétaire ferait-il à ses ouvriers qui travaillaient pour le propriétaire, c'est-à-dire ces vignerons? Alors il va les tuer. Jésus a dit que, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quelle est la signification de la parabole? Cela parle du rejet des enfants d'Israël. Christ a amené l'évangile. Christ a amené le salut, le message du ciel. Mais ils l'ont rejeté. Non seulement ça, ils rejetaient aussi d'autres serviteurs, d'autres prophètes, d'autres prédicateurs, d'autres sacrificateurs avant son temps. Donc comme on voit le passage d'aujourd'hui, le titre est « Le rejet de l'homme ». Le rejet de l'homme face à la pierre angulaire divine. Christ est la pierre angulaire. C'est la parole finale venue du Père. Et il est allé aux enfants d'Israël. Il a été rejeté. Et c'est dit ici que Christ serait crucifié et tué. Comme c'est dit dans la parabole, le propriétaire de la vigne est Dieu lui-même. Il est le créateur. Il est le propriétaire. Il est tout. Et Dieu espère que cette vigne produise du fruit. La vigne est la nation d'Israël. Et la nation d'Israël, au lieu de porter des fruits, alors, ils se sont assis sur le fruit, ils voudraient saisir la vigne et tout du Père, Dieu le propriétaire. Ces vignerons étaient ceux qui prenaient soin de la vigne, ce sont les cultivateurs. Ces vignerons sont les dirigeants religieux d'Israël. Ce sont eux qui devait enseigner les gens le fruit à porter, à amener à Dieu. Et les serviteurs qu'il a envoyés à ces gens, leur disant d'amender leur voie, comment ils doivent vivre. Alors ce sont des prophètes de Dieu à travers l'histoire des enfants d'Israël. Vous savez bien, le dernier qui est venu, le fils bien-aimé, son nom est Jésus. Et quoi que ces choses soient faites à ces prophètes, à ces serviteurs, maintenant je vais leur envoyer la dernière personne. Et ils vont l'honorer, le respecter, l'accepter, croire en lui, mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont tué. Le message encore, c'est le rejet de l'homme face à la pierre angulaire divinement désignée. Premier point, l'image et le rappel. Et le rappel de la sauvagerie des vignerons. L'image et le rappel de la sauvagerie des cultivateurs.
deuxième point, la prophétie du rejet de la pierre angulaire. Ce n'est rien d'autre qui soit étrange. Cela n'a pas surpris le Seigneur parce que c'était prophétisé avant ce temps-ci que cette pierre angulaire sera rejetée. Le Fils de Dieu sera rejeté, le Messie sera mis au rencard et sera détourné, il sera éliminé. Deuxième point, la prophétie du rejet de la pierre angulaire. Troisième point, c'est le châtiment et la rétribution pour les économes condamnés. Le châtiment et la rétribution pour les économes condamnés. Quel est le premier point chez vous là-bas? Dites-moi votre premier point, je vous attends. Que Dieu vous bénisse. C'est l'image et le rappel des cultivateurs, de la sauvagerie des cultivateurs. Nous avons déjà lu ça en Marc 12, mais allons voir à Matthieu 21. Matthieu nous parle de la même chose. Au fait, cette parabole est enregistrée par Matthieu, Marc et Luc. Nous allons voir certaines significations et certains détails et qui se trouvent dans Marc, Matthieu et Luc. Et Matthieu 21, lisons le verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Cela représente Dieu. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Voyez l'histoire. La parabole ici, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est le créateur de tous les hommes, en particulier, surtout, les enfants d'Israël. Il les a plantés comme une vigne. Alors, il les a entourés d'une haie. Il les a protégés. C'est comme vous avez un champ, vous avez un terrain et vous l'avez clôturé. Et il creusa un pressoir afin que tous les fruits, les récoltes du champ soient amenés dans un grenier et bâtit une tour. La tour là, et c'est comme un lieu où les sentinelles gardent pour sécuriser tout le champ. Et puis il la ferma à des vignerons. Ce n'était pas leur bien. Ce n'était pas qu'ils s'approprient le champ, que le champ m'appartient, l'église m'appartient, la nation m'appartient. Il la ferma à des vignerons. Il leur a fermé cela et quitta le pays. Il n'était pas là physiquement avec eux. Dieu est au ciel. Et les gens qui prennent soin de la vigne, oui, les religieux qui prêchent la parole de Dieu, qui encouragent le peuple et leur disent de porter de fruits pour le Seigneur, ils sont ici sur la terre. Voilà le verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons. Il envoya ses serviteurs, ses prophètes. Il exigeait recevoir de fruits pour Dieu. Il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. 35. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent l'autre. Comme vous lisez l'histoire des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, vous allez voir que ça, c'est un rappel de ce que les enfants d'Israël avaient fait à leurs prophètes, aux messagers de Dieu. Verset 36. Les vignerons s'étant saisis, 36, il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Vous savez que
Il y a divers rois, divers prophètes comme prophète Élie, prophète Élisée. Après, on a les autres prophètes comme Esaïe, Jérémie. Après eux, on a des gens comme Daniel, Ézéchiel. Après eux, on a Osée et tous ces gens. Amos aussi était là et s'est dit que il envoyait encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et en dernier lieu, il leur a donné le fils qui croyait être honoré. Il disait qu'ils honoreront son fils. Mais les vignerons, ayant vu le fils, ils se sont dit, voici l'héritier, venez et tuons-le. Et 39, et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Il veut qu'ils pensent à leur vie, il veut qu'ils pensent à leurs actes, il voudrait une réponse d'eux. Voici l'histoire que je vous relate. Regardez les choses qui se sont produites, regardez ce qu'ils ont finalement fait au fils du maître, au fils du propriétaire. Voilà la réponse qu'ils se sont donnée au verset 41. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Eux-mêmes ont dit que ces vignerons, que ces cultivateurs qui ont agi comme ça aux serviteurs du propriétaire, et finalement ils ont fait de même aux fils, sont des méchants, donc ils méritent d'être misérablement tué, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Voyons Psaume 80 afin que nous ayons une compréhension scripturaire de ce qu'est une vigne et que nous ayons l'histoire de ce que l'histoire que Jésus a donnée. Psaume 80, verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Cela parle d'Égypte. Cela parle d'Israël. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as chassé les Jébusiens, les Amoréens, les Éviens et tu as planté Israël sur la terre promise. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre. Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Verset 12. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Verset 16. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Ouais, la vigne sont les enfants d'Israël. Le Seigneur les a plantés lui-même et ce passage dit que tu les as plantés, tu les as fortifiés, tu les as rendus forts pour toi-même. Ils devaient porter des fruits pour Dieu. Verset 17. Elle est brûlée par le feu. Elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Ceux qui prenaient soin d'eux n'ont pas pris bon soin d'eux. Allons à Ésaïe chapitre 5. Vous allez écouter le Seigneur lui-même parler de la vigne et nous dit qui la vigne représente. Ésaïe chapitre 5, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol.
ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Ouais, Jésus se référait à ceci. Et ses dirigeants d'Israël savaient que la terre d'Israël, le pays d'Israël, est la vigne. Et est un pays de vigne. Et verset 9. Et la vigne, verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Et je vous dirai ce que je ferai à ma vigne. J'ôterai la protection de la vigne. Qu'est-ce que la vigne? La protection du Seigneur, la sécurité du Seigneur, dit qu'il ôtera. Verset 5. Afin que les Assyriens viennent, qu'il n'y ait pas d'empêchement. Que les Babyloniens viennent et il ôtera la protection d'eux et les enfants d'Israël seront emportés, les enfants de Juda seront emportés afin que les Médo-Perses viennent et les emportent qui les oppriment. Et dit, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé de la justice. Et voici des cris de détresse. Voici ce que disait le Seigneur Jésus-Christ. Comme on voit la parabole du Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit, numéro 1, quelque chose au sujet de Dieu lui-même. 2, il nous parle du serviteur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et puis, il dit quelque chose de tous les hommes. Voyons cela. Qu'est-ce que la parabole dit de Dieu? Que Dieu est généreux. Dieu est magnanime. Il a fait une vigne. Il a mis ses serviteurs dans la vigne et leur a laissé cela qu'au temps de la récolte, j'enverrai mes serviteurs prendre le fruit. 2. On a vu la confiance de Dieu en ses cultivateurs. Il n'était pas là physiquement et en les regardant, il a mis sa confiance en eux qu'ils feront la bonne chose. 3. On a vu la patience de Dieu. Il envoie des serviteurs qui ont été battus. Certains étaient lapidés et tués. Et il n'a pas amené un jugement prompt sur eux. Mais il envoie d'autres, la même chose était faite, mais il a continué à être patient. On a vu la patience de Dieu, et maintenant son fils, Amenant, est tué. Quand on a vu le jugement ultime de Dieu, comment va notre vie? N'est-ce pas ce que le Seigneur a fait? 1. On a vu sa générosité envers nous, et nous a amené dans ce monde, il nous a donné la vie, il nous a donné le pain, même il nous a donné la Bible. Il nous a donné le Seigneur Jésus, il nous a donné la grâce, il nous a tout donné afin de mener la vie qui lui est agréable et que nous le portons de fruits. Et finalement, aller vivre avec lui au ciel. La générosité de Dieu envers vous, envers moi, envers nous tous. 2. La confiance de Dieu. Le Seigneur a confiance en nous. Dieu nous a donné la vie, nous a fait un appel. Il nous a donné un ministère, il nous a donné ce qu'il faut faire.
et il ne nous il ne veille pas sur nous, il ne nous bat pas, il ne nous châtie pas à tout moment qu'on fait un faux pas. Mais il est patient avec nous. Mais finalement, il y aura un jugement dernier de Dieu. Cela révèle quelque chose de Jésus-Christ. Je veux que vous pensiez au Christ maintenant, donnant cette parabole. Numéro 1, Jésus-Christ est courageux et très hardi. Il savait que ces gens-là allaient le tuer. Il voyait la crucifixion venir qu'à la fin de cette semaine, il sera trahi. Judas Iscariot le trahira, il sera arrêté et crucifié. Il a regardé ses persécuteurs et ces gens qui vont le tuer. Et face à face, il leur a donné cette parabole. Et sans mâcher aucun mot. Voici la dernière chance. Vous, dirigeants d'Israël, un fils, un bien-aimé vous est envoyé et vous allez le tuer. Et imaginez ce qui va vous arriver. Il va détruire misérablement ces gens. On a vu le courage du Seigneur Jésus là-bas. Et nous qui suivons Christ, croyants et chrétiens, nous devons nous armer du même courage. Il y a des gens qui s'enfuient sans que personne les poursuive. Ils imaginent, quelqu'un va me faire quelque chose, quelqu'un va me battre. Il n'y a personne qui fasse quelque chose contre eux. Peut-être une erreur quelque part, peut-être quelque chose qui s'est produit quelque part. Ils vont prendre l'erreur comme un projet prémédité des gens qui voudraient les détruire. À cause de cela, ils tremblent, ils ne peuvent pas dire la vérité. Je vais vous rappeler une fois encore que personne n'ôtera votre vie. Personne ne vous ruinera. Jésus était courageux même au sein de cette difficulté. Il nous transfère ce courage. Vous serez courageux au nom de Jésus-Christ. Et il a averti ces gens-là qui sont les cultivateurs de la vigne du Seigneur. Il les a avertis de leur sauvagerie et du jugement à venir. Et on voit aussi Jésus s'était distingué. Oui, il a fait la différence entre les serviteurs et ces gens-là. Certains ont été tués, certains ont été lapidés. Et il a dit que le propriétaire a dit que par fini, j'enverrai mon fils bien-aimé. Ça veut dire que Jésus est plus grand que les prophètes. Jésus est plus élevé que les autres. Alors, il s'est distingué de tous. Numéro 3, il savait l'objectif de sa mort. Il savait l'objectif de sa mort à la croix. Il savait qu'il allait mourir, mais il allait revenir. Et de son retour, ce qu'il fera à ses cultivateurs, à ses vignerons, il les détruira. Alors, la parabole est très claire. Et cela nous dit également que Dieu lui-même allait amener le jugement sur ces gens qui rejettent la pierre angulaire. C'est pourquoi elle a donné le point final là-bas, que la pierre angulaire qui a été rejetée deviendra même la principale de l'angle. Alors, il ne faut pas croire que le fait de le tuer, de le crucifier sera la fin de Christ. Il reviendra encore et deviendra la principale pierre. Et la Bible a dit quelque chose de l'homme. Quelle est la chose? L'homme veut vivre indépendamment de Dieu. Il ne veut pas rendre compte à Dieu. Tu m'as donné la vie, laisse-moi seul. Tu me donnes la grâce, laisse-moi en paix. Tu me donnes le salut, laisse-moi en paix. Tu me donnes ceci, laisse-moi en paix. L'homme préfère que Dieu s'éloigne de lui et que Dieu ne lui demande aucun compte. Deux, les hommes croient que le propriétaire est si loin qu'il méprise ses serviteurs. Lorsqu'il méprise les serviteurs de Dieu, il ne croit pas que Dieu peut leur faire quelque chose parce qu'il ne voit pas Dieu proche, parce qu'il ne sent pas que Dieu est là, parce que il ne voit que les serviteurs là et ils disent que mais
corrigez vos voies, repentez-vous de vos péchés, portez des fruits dignes de la repentance. Mais parce qu'il croit que Dieu est si loin, le propriétaire est si loin, donc il méprise les serviteurs et il les élimine. Numéro 3, la plupart des hommes rejettent Christ. La plupart des hommes rejettent la principale de langue et les bâtissent leur vie sur des principes non fondés sur la parole de Dieu. Ils ne se réfèrent pas à la pierre angulaire, ils n'ont aucun respect à celui-là que le Dieu Tout-Puissant a envoyé. Ils fondent leur vie indépendamment de Dieu. Quand on apprend que le jour du jugement viendra, le jour du jugement définitivement viendra et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Allons à Jérémie chapitre 2 et voyons ce que le prophète a dit au sujet de la vigne du Seigneur. Jérémie 2 verset 21. Jérémie 2 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Le Seigneur disait que tout ce qu'il faut pour vous sauver, pour vous sanctifier, être pur, est disponible. Et la parole de Dieu vous est présentée à tout moment. Je vous envoie mes prophètes. Comment est-ce que vous êtes devenu une vigne étrangère et dégénérée? Jérémie 25 et nous lisons verset 4. Jérémie 25 verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Tous ces serviteurs qui demandent des fruits pour Dieu sont les prophètes. Sont les prophètes tels que le Seigneur vous a envoyés. Et il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Verset 5. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays et portez de fruits dignes de la repentance. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Mais voyons Jérémie 35. Jérémie 35, et nous lisons ici verset 15. Jérémie 35, verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Les serviteurs auxquels Jésus s'était référé dans la parabole sont des prophètes de Dieu. Certains sont lapidés, certains étaient tués, certains étaient rejetés. Il dit, mais ne nous parle pas de Dieu, ne nous parle pas de la justice, ne nous parle pas de porter de fruits dignes pour Dieu. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Ouais, ces gens-là, au lieu d'écouter, le Seigneur dit, non, on ne va pas t'écouter. Nous allons faire ce qui nous convient bon et n'allons pas porter de fruits pour le Seigneur. Jérémie 44. Jérémie 44. Verset 4. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Ne faites pas ces abominations que je hais.
Néanmoins, ils ont fait exactement ce que Dieu est. Zacharie 7. Zacharie 7. Lisons le verset 9. Zacharie 7, verset 9. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs, et leur envoyèrent les prophètes, les serviteurs, ne faites pas le mal, et corrigez vos voies, mais rendez Dieu content par votre caractère, par votre vie, par votre réponse à la parole de Dieu. Regardez tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Regardez la vigne qu'il vous a confiée. Verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Très dur, incirconcis, non sauvé, non régénéré, réprouvé, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Finalement, Dieu a envoyé le jugement. Allons à Matthieu, au Nouveau Testament, à Matthieu 23. Et nous allons voir finalement ce qui leur était arrivé à cause de leur endurcissement, à cause de leur rejet content, à cause du mal dans leurs mains. Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Croyez que ces serviteurs de Dieu, et ils ont fait quelque chose de mauvais? Pas du tout. Tout ce qu'ils voudraient, c'est que ces gens-là viennent à Dieu, qu'ils marchent sur la voie étroite, qu'ils mènent la vie juste pour aller au ciel. C'est ce qu'ils disaient. 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fille de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Voici ce que Jésus dit maintenant. Alors il est direct maintenant et nous donne l'interprétation appropriée de ses serviteurs qui ont tué. Ces vignerons qui ont tué les serviteurs et qu'ils allaient tuer le Fils de Dieu. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Les prophètes de Dieu, vous avez tué, lapidé, vous les avez malmenés et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Et j'ai amené le salut et vous ne voulez pas le recevoir. J'ai amené la conversion, la nouvelle vie, mais vous n'allez pas recevoir. J'ai amené l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, mais vous n'allez pas l'accepter. Verset 38. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Le Seigneur leur disait qu'il allait abandonner Israël,
qu'il abandonnera la nation là. Allons à Luc. Luc 13. Luc chapitre 13. Verset 34. Luc 13, 34. Ici, nous lisons. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Il y a des gens qui disent que Dieu sauvera celui qu'il veut sauver et ces gens seront sauvés. Ils sont éternellement élus, prédestinés, qu'ils seront sauvés, alors qu'ils soient sauvés. Non, Jésus a dit, je les aurais sauvés, convertis, guéris et les amenés sous mes ailes de protection spirituellement dit. Mais ils ne l'ont pas voulu, parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Alors, je laisse leur maison déserte. Le salut est gratuit, disponible. Mais si tu rejettes le salut, Dieu ne peut pas forcer le salut sur personne. 1 Thessaloniciens 2. Ceci c'est après la mort de Christ. C'est après la Pentecôte. L'évangile est rendu clair à tout le monde. Voyons ce qu'ils ont fait. Voyons la continuation. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi, voici l'apôtre Paul, il dit ici que vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours comme ça. Vous avez tué le Seigneur Jésus et leurs prophètes et ils nous ont persécutés. Nous sommes apôtres, nous prêchons la parole, nous les aimons, nous faisons tout, jour et nuit, afin qu'ils soient sauvés. Au lieu d'être sauvés, ils nous ont persécutés et ils étaient contraires à tout homme. Verset 16. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Eux ne sont pas sauvés, ils ne sont pas sanctifiés. Ils ne se sont pas soumis au Seigneur. On veut aller aux païens. Vous ne voulez pas. Mais nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. En sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Retournons à Marc 12 maintenant. Et voyons que Jésus ne les avait pas laissés dans le doute comme un résultat de leur acte et qui ne les laisse pas avant que la prophétie ne s'accomplisse. Marc chapitre 12 verset 9. Marc 12, nous lisons du verset 9. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, la vigne, vous comprenez que c'est la maison d'Israël. Ce sont eux que Dieu a créés. Il leur a envoyé des serviteurs pour qu'ils parlent à ces gens, pour qu'ils leur prêchent. Mais ces dirigeants religieux dans la synagogue, les dirigeants religieux dans le temple, alors Dieu les a honorés et leur a donné le privilège de pouvoir parler aux gens au temps de Jésus-Christ, qu'ils ouvrent la porte et que Jésus apporte le salut à ces gens. Mais ils ont fermé la porte, ils ont chassé les gens qui vont leur prêcher la parole. Alors, vous vous rappelez bien l'homme là qui était né aveugle, et que voici le Christ, s'il n'est pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Est-ce que tu nous enseignes? Tu es né aveugle et tu nous enseignes et ils l'ont chassé du temple. C'est ce que Jésus a dit ici. Alors, ils ne vont pas donner le privilège de prédication à d'autres personnes. C'est pourquoi il a donné le privilège aux apôtres, aux gens comme Philippe, à ceux qui prêchent la parole, à la parole même à l'apôtre Paul. Alors, il leur a ôté ce privilège parce qu'ils ne vont pas en faire usage.
pour l'objectif pour lequel le privilège était donné. Verset 10. 10. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue et c'est un prodige à nos yeux. Deuxième point, la prophétie du rejet de la principale de l'angle. La prophétie du rejet de la pierre angulaire. C'était une prophétie et Jésus n'était pas pris au dépourvu. Si quelque chose se passe, on ne sait pas le pourquoi. Donc on est attristé, on est découragé, on ne va pas vers les Écritures pour dire mais qu'est-ce que la Bible a dit? Voici ce que l'Écriture a dit, que ce qui va se passer. Et la chose se passe selon le dessein de Dieu. Voyons ce qui est arrivé à Jésus. Il y avait un Judas Iscariot qui l'a trahi. Il n'était pas surpris. Il savait des Écritures que cela va se passer. Il a été rejeté. Il dit que non, on ne le veut pas. Si quelque chose de pareil nous arrive et qu'on ne sait pas comment cela va se passer, on croit que tout le monde va nous aimer, tout le monde va nous honorer et on est déçu, on serait angoissé, rejeté. Le rejet là va amener complètement une angoisse. Mais Jésus n'était pas surpris de tout ce qui s'est passé. Dieu savait que cela va se passer et Dieu a la solution à tout ce qui va se passer dans votre vie. Il dit Dieu a la solution pour tout ce qui va se passer dans votre vie. Parce que vous êtes homme, on ne sait pas comment cela va se passer, donc on ne s'est pas préparé pour cela. Au cas où cela se passerait, mais Jésus-Christ savait. Je prie que vous sachiez. Psaume 118. Il leur a demandé, n'avez-vous pas lu? Il leur a psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Cela parle de sa mort. Il a été refusé, il a été rejeté. Allez-y, crucifiez-le. Après cette mort, il va ressusciter. Parce qu'il viendra encore pour devenir la principale de l'angle. Quelles que soient les choses mauvaises qui se produisent maintenant, ce n'est pas la fin de votre vie. Vous allez vous lever, vous allez vous mettre sur les pieds et vous allez avancer au nom de Jésus-Christ. Et c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Lorsque vous verrez ce que le Seigneur fera, et il fera sortir quelque chose de positif, du négatif, ce sera merveilleux, ce sera un prodige à nos yeux. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point en hâte de fuir. Cela parle du Seigneur. Avant même qu'il soit là, le Seigneur a dit qu'il a mis en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Ceux qui vont croire en lui, ils n'auront pas honte. Vous n'aurez pas honte. Voyons, Actes des Apôtres, chapitre 4. La pierre angulaire, la prophétie au sujet du rejet de cette pierre angulaire. Actes, chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Les apôtres savaient que ce qui était arrivé au Seigneur Jésus n'était pas un jeu de hasard. Il n'y aura pas de hasard dans votre vie. Il n'y aura pas de hasard dans votre famille. Il n'y aura pas de hasard en vous. Dieu va prendre la gloire de tout ce qui se passe au nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre.
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous allons aux Éphésiens chapitre 2, la pierre angulaire. Il a été rejeté, mais cette pierre est devenue la principale de l'angle. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est très clair là-bas. Cela a été prophétisé et tout ce qui était arrivé au Seigneur Jésus-Christ s'est produit selon la prophétie. C'est écrit. Ce qui est écrit à son égard était tout accompli. Première Pierre, chapitre 2, nous lisons le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ouais, c'est dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, cela se réfère à Jésus. Il est la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, amen. Un sacerdoce royal, amen. Une nation sainte, amen. Un peuple acquis, amen. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous a appelé. Vous a-t-il appelé? Je dis, vous a-t-il appelé? Tout ce qu'il a en vue avant de vous appeler s'accomplira. Ne vous gênez pas de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui pourra se passer la semaine prochaine ou le mois prochain. Là où il vous conduit et le pourquoi il vous a appelé s'accomplira, sera accompli au nom de Jésus-Christ. Il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il l'accomplira. Nous retournons à Marc 12. Voyons verset 12. Marc 12, nous lisons le verset 12. Marc 12, nous lisons le verset 12. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. C'est le troisième point maintenant. Ça, c'est le châtiment et la rétribution pour les économes condamnés. Au verset 7. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Et voyons un verset parallèle en Matthieu 21 pour mieux comprendre ce que Jésus disait dans la parabole qu'il aura le châtiment pour ceux qui vont arrêter et crucifier Jésus. Pourquoi sommes-nous surpris? Eux-mêmes avaient dit crucifiez-le, que son sang soit sur nous. Voyons Matthieu 21 verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Ils sont appelés misérables eux-mêmes
Il s'appelle des gens méchants, des misérables. Il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Comme eux-mêmes ont prophétisé et prédit que le jugement viendra. 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. C'est un grand châtiment. Ceux qui avaient le royaume de Dieu, ceux qui prenaient soin du royaume de Dieu, maintenant le royaume de Dieu est enlevé d'eux et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui qui, souverain, sacrificateur, ces dirigeants d'Israël qui vont tomber sur cette pierre s'y briseront. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Au lieu de se repentir que oui, cette parabole s'adresse à nous, voyons-le, examinons notre cœur. Nos pères ont tué les prophètes et maintenant voici le Fils de Dieu, voici le Messie. Regardez ces miracles, regardez l'évidence qu'il nous a donnée, qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Alors, vous voulez tuer une telle personne? Regardez cette parabole. Je crois que c'est l'heure de se repentir. Non, au lieu de se repentir, verset 46. Et il cherchait à se saisir de lui. Mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Au lieu de se repentir, tout ce qu'il voudrait faire, c'est d'éliminer le Seigneur. Allons à Luc. Chapitre 20, Luc 20, nous avons verset 15, Luc 20, verset 15. Et ils le jetaient hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que le fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons. Et il donnera la vigne à d'autres. Ils vont perdre leur privilège. Et il disait à ces Israélites, aux dirigeants, que vous êtes sur le point de perdre votre privilège, votre position. Vous êtes sur le point de perdre toutes les bonnes choses que vous faites. Et le Seigneur a fait de vous ses porte-paroles, Mais la façon dont vous vivez, vous n'allez pas vous repentir. Et il va vous détruire misérablement. Et il donnera la vie à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dit à Dieu ne plaise. Ils n'ont pas changé. Ils ont dit à Dieu ne plaise. Ils ne se sont pas repentis. Ils disent à Dieu ne plaise. Tout le mal qu'ils voudraient faire, ils continuent leur complot. Et ils n'ont dit qu'à Dieu ne plaise. Mais le jugement viendra si le pécheur ne se repent pas. Tout juste après la parabole, ils l'ont compris. On croit que tout juste après le message, ils seront sobres et ils seront désolés de ce qu'ils voudraient faire. Ils vont se repentir. Non. 19. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui. Parce qu'ils craignaient le peuple. 15. Ils savaient que cette parabole les concernait. Est-ce que vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui vient à l'église, il est venu écouter la parole de Dieu et la parole était prêchée, la personne a vu, mais pourquoi lui parle comme ça? Pourquoi il me dit de me repentir? Alors, c'est parce qu'il a quelque chose contre moi. Il a une dent contre moi. Pourquoi il me joue comme ça? Il ne va pas se repentir. Alors, il va toujours chercher à faire le mal aux prédicateur qui l'aime et qui prêche. Dieu merci, vous n'êtes pas comme ça. Et Dieu merci, vous n'êtes pas pareil.
Lorsque la parole de Dieu vous parvient, lorsque le message vous parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est obéir. Et nous allons à Matthieu chapitre 3, Matthieu 3, verset 9, Matthieu 3, verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous ne serez pas jeté au feu. Je ne serai pas jeté au feu. Nous n'allons pas périr au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tous se repentent et connaissent le Seigneur. Seuls ceux qui rejettent, qui seront rejetés par Dieu, c'est pas que Dieu ne les aime pas, sont eux-mêmes qui ont fait le choix. Vous allez faire le bon choix au nom de Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces gens pourraient avoir la vie éternelle, ils pouvaient recevoir le salut, mais ils ont rejeté le salut, ils l'ont abandonné, et le salut était ôté d'eux, ils ont chassé le Sauveur d'eux. C'est pourquoi ils avaient péri. Mais je ne vais pas périr. Hébreux chapitre 2, verset 1. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Que nul ne soit comme les pharisiens ou les souverains sacrificateurs. Ils savaient que cette parabole s'adressait à eux. Au lieu de se repentir, au lieu de se détourner du mal et être sauvé, ils continuent à planifier le mal. Le mal ne sera pas dans votre cœur, ni dans votre main. Le mal ne sera pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Si quelqu'un écoute la parole et la personne se fâche, quelqu'un entend la parole, dit que oh, il parle de moi, il se réfère à moi, alors je vais l'éliminer. Alors la personne fait que la parole est emportée de lui, mais la parole ne sera pas emportée de nous. Car si la parole annoncé par des anges, a eu son effet. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un message directement venu du Seigneur? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Cette parole ne s'éloignera pas de nous. Cette parole ne s'éloignera pas de vous. La parole du salut ne s'éloignera pas de vous. La parole de la sanctification ne s'éloignera pas de vous. Tout ce que le Seigneur a décidé, a planifié, que la parole fasse en vous, cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ces pharisiens, sadduciens et ces docteurs de la loi et ces gens et ont péri. La parole leur était présentée, mais cela n'a pas trouvé de foi en eux. Il y a la colère dans le cœur. Il y a l'amertume dans le cœur. Cela s'est mélangé avec la complicité dans leur cœur. Ils ont péri, nous n'allons pas périr. 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.
Nous devons permettre à la parole de trouver la foi en moi, de ne pas dire qu'il parle de moi parce qu'il s'adresse à moi, je le hais, je ne l'aime pas, il ne parle pas de toi, il ne parle pas contre toi. Il veut que tu aies la préservation du Seigneur et la bénédiction du Seigneur, et vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Deuxième Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Voyez comment l'action de Dieu, comment il était très patient. Il a planté, il a fait cette vigne et il a donné à ses vignerons. Il a envoyé ses serviteurs, ils ont été tués. Il a envoyé d'autres, ont été éliminés, lapidés. Il continuait de faire. Il était vraiment armé de longanimité. Finalement, il a envoyé son fils unique, croyant être honoré, respecté, qu'ils vont recevoir le message de salut qu'il a mené. Mais dommage, ils ne l'ont pas fait. Moi, je le ferai. Ils ne l'ont pas fait, je le ferai. Alors, c'est dit que ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je vous accueille une fois encore à l'étude biblique. Vous n'allez pas périr. La vie éternelle vous sera accordée. Dieu nous a mis dans sa vigne. Il a envoyé ses ministres prédicateurs à nous afin que nous portions de fruits. Mon frère là-bas, vous allez porter de fruits. Ma soeur là-bas, vous allez porter de fruits. Le fruit de la justice, le fruit du salut, le fruit de la sanctification, le fruit de la sainteté. Et s'il y a une grâce dont on a besoin, Christ nous a donné la grâce. Nous aurons la grâce abondante au nom de Jésus-Christ. Vous allez profiter au royaume de Dieu. Où êtes-vous? Vous aurez un grand avantage pour le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons en disant, Seigneur, nous avons entendu ta parole. N'allons pas faire comme ces vignerons, n'allons pas faire comme ces cultivateurs qui ont mal utilisé et appliqué la parole et qui ont le mal, la sauvagerie dans le cœur. Ils ont fait ce qui est mauvais. N'allons pas faire le mal, nous allons faire du bien avec la parole qui nous est envoyée. Le salut est pour nous, réclamez-le, la sanctification est pour nous, réclamez-la. Le fruit de l'esprit est pour nous, réclamez-le. Le Seigneur fera que vous porterez de fruits abondamment au nom de Jésus-Christ.